Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode, j'ai déjà oublié, 24-25, l'épisode 25 du Let's Play Sims 4. Les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'ai la patate, j'ai la forme, tout comme d'habitude. Évidemment, on se retrouve pour... Oui, un voisin qui a envie d'aller faire pipi. Ouais, ça c'est pas très mal, ça c'est pas mal, ça c'est... Ouais. Wow. Quoi? Attends. Oui, déjà, se moquer de la tenue, déjà. Non mais attendez, c'est une blague. Oula, qu'est-ce qui arrive? C'est la promotion qui l'enjaille et ça y est, il ne se sent plus. Non mais attendez. Non mais attends, mon poulet, il a pas avoir honte d'avoir ça. Mais vire de là, salaud. Insulter? Oui, très important, insulter. Et enfin, demander de partir. Mais comment ça, demander de partir? Y a pas foot dehors? Bon, toi, va faire people, toi, t'as pas autre chose à faire, là. Réseau social, allez, enregistrer des fulminications. Une rumeur très amusante, lol. Son statut social. Des blagues, parce que c'est rigolo. Des photos, parce que c'est rigolo. Tu publies ton statut, genre tu dis que t'es à Hollywood. Ouais, c'est pas important, mais c'est pas... Bon, tu pues du goulot, tu peux partir. Merci, merci beaucoup. C'est incroyable les amis, à chaque fois ils s'invitent. Comme si c'était open door, bonjour les voisins. Tu sais qu'on est les pires ennemis. Ouais, je sais, bonjour les voisins. Non. Juste incroyable. Allez les amis, on fait... Non mais il est pas... Il reparle aux toilettes, non mais faut arrêter l'addiction et la drogue et tout, hein. Faut arrêter, les amis, on appelle une pizza ce soir. J'avais envie d'appeler une pizzeria. On va appeler une pizza. Arrête de causer, cause au téléphone. J'avais envie d'appeler une pizzeria, voilà. Quoi? Au bacon canadien, vas-y. J'avais envie, les amis, de... Ce soir, de faire des folies, notamment commander une super pizza... canadienne de la mort, le défi VG Sims. Oui, j'en ai pas parlé les amis, elle a désormais... Oh, elle a gagné 15 000 abonnés, c'est cool. J'ai essayé les amis un petit peu avant de démarrer l'épisode pendant 5-6 minutes, là j'ai essayé de... Comment dire, de chercher s'il ne traînait pas de VG Sims. Mais non, c'est assez incroyable. Alors j'ai été voir sur internet et tout, hein, et apparemment, il se promène dans le quartier. Voilà, il... C'est marqué ça sur le site des Sims. Il se promène dans le quartier. Oh la voisine! Coucou saloperie! Donc voilà, donc normalement ils sont censés être là, ils sont censés se promener, respirer la fougère comme on dit. Après je pensais à un truc, on voit sur une des photos que l'endroit où ça a lieu en fait, c'est... Non, on est déjà New Christ. C'est dans la ville de New Christ. Alors non, c'est pas... Ben, c'est Willow Creek, je suis trop bête. On les voit se promener là. Et ici, effectivement, on a un très grand parc naturel. Donc on va aller voir ça. Peut-être qu'il y en aura ici, j'en sais rien. À la recherche de la plante verte. En plus, il fait nuit, ça va être formidable, cette histoire. Bonjour. Non, you are not vert. You are vert. Non, you are not there, green. Oh, c'est pareil, hein, y a plus de différence à ce niveau-là. Hello, my name is Giuseppe, non, Guilherme. You are blue, or right, ou white, black. Hello. Are you VG Sim? I can VG Sim. Là, j'essaie de leur parler anglais, parce que c'est des développeurs anglais, enfin américains. Soussouille, non, soussouille personne. Oh, Gigi, c'est Gigi too. On peut lui botter la gueule. Si, là-dedans, les amis.
Il y a des petits coins cachés. Peut-être qu'on peut en croiser. Allons voir. Profitons-en. Allons voir. J'espère qu'on va en trouver. C'est désert. Littéralement désert. Il n'y a rien du tout dedans. Quoi? Pardon? Il se peut péquer quoi? Ah mais oui, il y a des fantômes qui habitent ici. Bernard et qui? Et Mimsy. Ma MC, il faut le dire avec l'accent. Ma MC. Oh, mais c'est trop beau. Mais c'est... Oh, rêver de mariage. Allons, va rêver de mariage, petit... Rêve de mariage. Oh. Ok, la petite danse, c'est là qui va bien. La pizza n'est toujours pas arrivée. Non. Ouais. Oui, enfin, ça fait 5 heures, là, quand même, hein. Bon, bah, tant pis. Fais-nous un repas vite fait. Oh, quoique. Non, allez, personne ne mange, tout le monde va se coucher. Hop. Il y en a marre. Tout, personne n'est sage, de toute façon, dans cette maison. Toi, arrête de geeker, c'est pas bon de jouer à l'ordinateur avant de se coucher. Allez, go. Tout le monde au pieu. Demain, on travaille. Tout le monde travaille. Les amis, on vient de recevoir un chèque cadeau de Tati plein de pognon. Et vous savez ce qui est écrit dans la lettre? Bon, j'ai pas pu vous la montrer, je viens de la mettre à la poubelle. Tati, elle me fait, bon, je te donne 20 milliards. Côté Simflouz, les amis, regardez là-bas à gauche, faites-vous plaisir, rassez-vous l'œil. Je te donne 20 milliards, mon poulet, lette, la poulette, et toi, you, en échange, tu achètes un magasin de mode comme tu es une superstar. Et vous savez ce qu'a répondu Axel? Elle a dit oui, les amis. Elle a dit oui, Axel, elle a dit oui. On va acheter un magasin. Les amis, achetons un magasin de vêtements des Luxor. Donc les amis, on se fait plaisir. On achète ce petit magasin meublé, évidemment. Puis on va encore avoir tellement de thunes qu'on va pouvoir faire encore plein de travaux. Mais je crois qu'on a déjà travaillé dans ce magasin-là, mais au chapitre précédent, à la saison 2, je crois. Je ne sais plus. Vous savez les amis, on fait tellement d'épisodes sur des très longues périodes. Au final, on ne sait plus trop ce qui se passe. Y a rien. 200 000. What? Y a rien. Mais y a juste la boulangerie, de quoi survivre, les amis. Y a juste la boulangerie et de quoi survivre. Eh bien, écoutez les amis, cette création de GFNS Confington me paraît, les amis, parfaite. Il s'agit du même magasin qu'actuellement, mis à part que dedans il a été relooké de manière magnifique, oui, tout ce qu'il faut, tout ça. Donc moi je me dis, allons-y les amis, on a de la thune. Ça ne coûte quasiment rien, on a quasiment les mêmes objets, etc. Et on se fait sacrément plaisir. Voilà, parfait, là, voilà. Alors je sais pas si c'était comme ça de base ou autrement, aucune idée, mais voilà, là enfin, on a le magasin avec les produits de beauté, tous les produits dérivés de YouTube, en tant que superstore. En tout cas, c'est parfait, ça c'est juste génial. Et là ici, ce sera notre petit coin pour vivre. Donc on va placer le nécessaire, évidemment. Parfait. Alors du coup, là maintenant, les amis, il faut régler absolument tout ce qui est à mettre en vente dans le magasin. Donc, définir le prix du magasin normal pour le moment. Acheter la publicité, uniforme, activer l'étiquette à vendre. Ok, donc il n'y a rien qui est à vendre. Gérer les employés. On n'a pas d'employés, les amis. Ça ne va pas. Il nous faut masse employés. Si on n'a pas les employés, les amis, comment vous voulez qu'on réalise des ventes? Non, 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 non. L'autre, c'est la réparation. Moi, je voudrais quelqu'un qui est ultra fort à la vente. Bah, lui, il est pas mal. Oh, il coûte de l'argent. On est tellement overblindé de pognon que ça pose pas de problème, les amis. Ok, bah écoutez, maintenant on n'a plus qu'à vendre tout en fait. Bon, on va dire que les tenues c'est nickel. Bon, ça les paravents on ne touche pas. Là, tout ça c'est les t-shirts. Ça, ce sont les super petits t-shirts d'Igam Chanel. Placement de produit évidemment pour Chanel. Hop, voilà. On va vendre ici, bon, c'est tout. Là, ici, les petits produits là, on les vend. C'est sur le présentoir. Les bougies. Les bougies pupa. On les appelle comme ça, les bougies pupa.
On vend tout, les sculptures, les bougies pupa, on vend tout, les amis, on brade. C'est la braderie de Lille. On brade, on brade, on brade. L'étage. Ah! Il y a encore plein de choses là. Je brade, je brade, je brade, je brade. On vend tout, les amis. On vend tout. Tout ce qui est là aussi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les toilettes, on peut pas y aller. Si, bon, par contre, on vend pas ce qu'il y a dans les toilettes. Dans les toilettes, faut juste tester. On teste dans les toilettes. Ah, voilà, ça on vend, ça, Jackie. Ça on vend. Ça on vend. Ça on vend. Ça on vend. Et le petit présentoir, on vend. Les bougies sans pu. Sans pas. On les vend. Les derniers stocks, les nouveaux t-shirts, les amis. Les nouveaux t-shirts. On vend tout. Les vestes pour hommes, les vestes pour femmes, les vestes pour enfants. On vend tout. On brade! Excusez-moi. D'un seul coup, j'ai eu tellement d'argent en tête là que ça m'a monté à la tête. Désolé. Désolé. Vraiment désolé pour vos oreilles, pour tout ce qu'il faut avec. On ouvre le magasin. Oui. Tu vas vivre dans le magasin, ma poule. Alors. J'ai pris un nouvel employé, tout ça, tout ça. Bah, le magasin est is open. Ah, bah oui, c'est parti, hein. Bon, pour l'instant, prestige que dalle, les amis. Je ne sais pas si les gens vont venir. Bon, en tout cas, on a du produit. On a de quoi essayer des vêtements, etc. Donc, bon. On va voir si ça plaît aux gens. Parce que bon, là, on va vivre quand même, voilà, dans une chambre miteuse. Je vous cache pas qu'il y a quand même mieux côté confort, hein. Ah, assigner une tâche. Donc nous, on va s'occuper de remettre les ventes. Lui va s'occuper en fait de encaisser, voilà, l'argent des clients. Bon, ça va, on n'a pas de boutique de nourriture et tout, à nettoyer et tout, ça va. Enfin, on a quand même un sacré magasin de luxe pour le moment. Hein. C'est pas le petit magasin Mooney. Hein. Non, non, non. Prendre une douche, chanter sous la douche. Allez, vas-y, on va chanter sous la douche. On va chanter de cette nouvelle popularité. Après être youtubeuse, les amis, nous voilà maintenant donc dans un magasin. On fait des vidéos YouTube en même temps et on tient un magasin. Du coup, on a rentabilité 21 000, c'est un truc de dingue. On va gagner 5 fois plus d'argent dans tous les sens, etc. Ça va être formidable. Alors, les gens, ils testent les tenues, hein. Ils regardent. Ah! Elle a l'air d'être décidée. Quel choix, quelle quantité, quelle qualité. J'achèterai quelque chose dès que vous aurez un moment pour m'encaisser. Normalement, il y a Jackie là, qui s'en occupe. Normalement, là, il y a Jackie qui est censé encaisser. Bah, parfait, voilà, parfait. Il fait parfaitement bien son boulot. En plus, apparemment, les amis, il est très compétent pour encaisser l'argent des clients et tout. Donc, voilà, normalement, il gère. Mais elle a eu un coup de cœur. Elle a eu un coup de cœur pour cette tenue, je comprends. Et de quoi avoir un coup de cœur. Ils sont en train de regarder le mannequin, mais vous inquiétez pas, on a des stocks, hein? On a des stocks, quel choix, quelle qualité, j'achèterai quelque chose dès que vous aurez un moment. Bah décidément, elle a fait des folies. Ah non, c'est une autre, ok. Va faire la vente, Jean-Michel, moi je m'occupe de remettre les rayons. Va, 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 va. Ah, bah mince, décidément, nous on n'a même pas le temps, les amis, de remettre un article. Il y a déjà un autre article à remplacer, c'est dingue. Où est-il? Quel choix, quel choix, quel choix. Et qui va acheter ça, lui? Quel choix? Hop. Oh là là, les amis, on a encore une vente ici. Les amis, trop de ventes! Faut vraiment qu'ils se dépêchent parce que là, on a 500 ventes à gérer là. Vite! Encaisse-le! Il y a 500 ventes à gérer! On a intérêt de se dépêcher! Ah là là, les amis, ça y est, je vous avais dit, hein! Ça, c'est la popularité YouTube, hein. Ça nous permet de réaliser des ventes juste incroyables, ça! Vite! Va encaisser celui qui est en haut là, Jackie! T'attends quoi? Vite! Remplacer la tenue. Attendez là, les amis, on a fait plein de ventes. Là, j'ai pas compris ce qui se passe là. Ah, les amis, c'est le bordel! Les amis, c'est le bordel! Tout le monde va acheter de partout! Les amis, on va liquider les produits! Tout le monde veut tout acheter dans notre magasin! Papi, elle ne sait pas du tout comment on fait! Tout le monde veut acheter, je sais qu'on a des produits de luxe, etc. C'est incroyable, mais tout le monde veut acheter nos produits. Les amis, il nous faut une deuxième employée. Si on n'a pas de deuxième employée, ça ne va pas. Pourquoi on n'a pas réussi à empocher des sous? À l'aide! Ok, lui s'occupe de lui, nous on s'occupe de lui, nickel. Ah, pour ensuite après, tu vas remplacer la tenue. Nickel, on a réussi. Ok, je aussi remplacer la tenue qui est là. Payer ça aussi d'ailleurs. Le remplacer. Il n'arrive pas à se décider.
Ah, c'est ça le problème. Il n'arrive pas à se décider, il a un petit peu envie d'acheter tout, ça se comprend. Il y a tellement de choix, les gens nous le disent. Oh, mais quel choix dans votre magasin, évidemment, tout le monde veut tout acheter, c'est un truc de dingue. Oula. Et tu devais pas, toi, à la base, faire des achats dans le magasin, là, plutôt que de faire des abdos. Prends tes articles. Ah, en fait, on n'arrive pas à l'encaisser, c'est problématique, ça. Madame, bonjour. J'ai envie d'aller faire pipi. Oh, puis ça, on n'a même pas remis. Oh là là, lui, il faut y encaisser les sous. Trop tard, je crois qu'il est parti. Elle, elle est possédée. Oh, comment ça écrit? Va l'encaisser, lui, vite. Bénéfice sur les ventes. Ok. On n'a pas beaucoup gagné, en fait. Bon, on va faire cette vente-là. Je sais pas c'est quoi, voilà, ce truc-là. Ouais, ça coûte rien, ça. Ça coûte 200 simflous, quoi. Elle a juste acheté, les amis, les bougies sans tout. Bon. C'est bien quand même, quoi. Mais si elle a juste acheté les bougies sans tout, là, ça... Bon, pour nous, c'est pas très rentable, hein, tout ça. Ah, mais on n'a rien vu. Non, on n'a rien vu. Tu pues, mais c'est pas grave. Voilà, nous, on fait des ventes. Bon, prends-toi une douche. Admettons, prends-toi une douche. Bon, ça va, tu pues plus assez. Les amis, on va bientôt fermer. Quoi? Attendez, non, pourquoi on a perdu un article? Bon, fermeture du magasin. Oh, quasiment 3000. Merci. Merci à tous d'être venus, voilà des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, ne volez rien, vous remettez bien exactement tout à l'endroit, dans son bon emplacement, merci beaucoup, merci, 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 merci. Et pour nous, bah, évidemment, il est temps de rentrer à la maison, bien sûr. Vous imaginez, les amis, des journées immenses comme celle-là, on rentre à la maison, on est crevé, qu'on a juste le temps d'aller faire 4 photos sur Insta, et puis c'est fini! Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui en tout cas, merci d'avoir regardé, surtout n'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à cliquer les amis, juste ici, en haut à droite, oula, en haut à gauche, pardon, pour vous abonner les amis si ce n'est pas déjà fait, elle a la très faim, mais c'est une très grosse journée de travail qu'elle a eue. Et on se retrouve donc les amis, extrêmement rapidement, pour un de vos épisodes favoris, moi les amis, je vous dis à la prochaine, et ciao, bye bye.